de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ô Père. Je suis de retour. Yes, I'm back. Je vais vous faire un petit résumé de ce qui va se passer dans cette vidéo. J'ai un peu menti, c'est pas vraiment un vlog. En fait, on va dire que c'est un peu mes stories snap. On va dire aussi que ça peut être un peu un vlog, mais je trouve que dans un vlog, on voit beaucoup la tête de la personne et elle explique beaucoup ce qu'elle fait. Moi, j'ai plus filmé plutôt que raconter ce qui se passait. Cette vidéo a plusieurs buts. But numéro 1, regrouper les meilleurs moments que j'ai passés durant le mois d'octobre, septembre, octobre, novembre, ouais. Que mes amis qui ont profité de ces événements puissent aussi kiffer cette vidéo. Deuxième but, c'est que les chrétiens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'événements, qu'on doit sortir aussi de nos assemblées. Le Seigneur, s'il inspire à un événement, c'est pour son église avec un grand E et non pas pour son église avec un petit E. D'accord? Donc, pour vraiment vous montrer qu'il y a des événements qui sont lourds, mais sauf qu'il faut savoir sortir de ces quatre murs et aller ailleurs et prendre la bénédiction et y retourner, apporter cette bénédiction chez soi, tout simplement. Donc, par exemple, moi, je viens de l'église CRC, mais dans cette vidéo, il n'y aura pas que des événements de l'église CRC. Il va y avoir des événements comme le concert Total Praise, il va avoir aussi une retraite, mais il va aussi avoir quelques extraits d'un mariage. Donc vraiment, je vais vous montrer qu'on s'enjaille de ouf. Mon troisième objectif, c'est montrer aux non-chrétiens notre vie. Parce que beaucoup pensent qu'on est des arriérés, qu'il ne se passe rien dans nos vies, qu'on passe notre vie à prier et à chanter à l'église. Bon, c'est un peu notre vie, mais il n'y a pas que ça. On s'amuse aussi. Bon, ça ne nous empêche pas de faire des activités comme vous, d'aller au bowling, d'aller manger au restaurant, d'aller faire du shopping, d'aller faire un pique-nique. Ça ne nous empêche pas. Mais nous, notre joie, elle vient du Seigneur. La joie du Seigneur, c'est notre force. Et nous, on se réjouit dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'on est heureux tout simplement parce qu'on est en Christ. Et donc, on est encore plus heureux lorsqu'on se retrouve dans des événements qui glorifient Dieu. Un mariage où il n'y a pas de musique mondaine, nous, on est yamb. Nous, on est très bien. Une retraite où tu te mais à part du monde, pour être juste dans la présence de Dieu, on est trop bien. Un événement gospel, t'es bien, t'es là, tu loues, tu chantes et tout. On va vous montrer que nous, on s'amuse encore plus que vous, qu'on a encore plus de joie que vous, parce que nous, la joie, elle vient de celui qui s'appelle joie, tout simplement. Donc voilà, on va vous montrer la vie en Christ et vous allez voir que c'est beaucoup plus mouvementé que vous. Parce qu'on n'a pas besoin d'alcool, on n'a pas besoin de drogue, on n'a pas besoin d'une boîte de nuit, on a juste le fait d'entonner une petite adoration, c'est le feu. Bon, il n'y aura pas de vidéo d'adoration parce que pendant l'adoration, on est concentré. Donc moi, personnellement, je ne sors pas mon téléphone. Mais quand c'est le moment de fire, les moments de louange, là, des fois, tu es obligé de sortir le téléphone. Reba sakayaba. Bref, je suis trop excitée de vous montrer tout ça. Je parle pas trop. Je vous dis à plus tard. Et à la fin, il y aura un petit témoignage concernant mon concert que j'ai fait avec ma chorale Total Praise. C'était vraiment glorieux. Alléluia. Je vous laisse voir tout ça. Soyez abondamment bénis. Allez, chante-le, allez, chante-le.
On n'est pas à la retraite, nous. Gucci, Gucci. Vous voyez dans le quartier, je te filme, je fais un snap. Hey, t'es une star quand même, hein. Je fais des zooms sur ta tête. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus ne vous a pas oublié. Il vous aime encore. Il t'aime encore. Je suis à côté, s'il vous plaît, avec Kevin. On a pas une grosse pète de MLM. Non, mais arrête.
témoignage. À ma droite avec Kevin aux côtés du Pizza Hut. Donc tu vas devenir un témoignage. C'est ça même sans pouvoir, mais regarde la vla. Mais restez moi trois. Ouais, c'est Jésus Christ. Un enfant racheté. Je prendrai mes ferments pour te. Ils nous ont guéblo. Et en plus c'est bien zoomé. C'est pas grave, tu seras quand même là. Regardez, il a pas de contour, il a pas de barbe contourisée, voilà. Et je vais bien la publier même sur Instagram. C'est très utile en quelque sorte. Bon, voilà, il y a aussi des églises traditionnelles qui se mettent un peu à la page. Voilà, des chorales, des groupes de jeunes. Et puis je savais que c'est son église. Ici, c'est d'ailleurs le gospel qui est roi. La Cogira, elle aura raté quelque chose. Dommage. Dommage. Ah, vous ratez vraiment quelque chose. Dommage. Vous êtes en Ile-de-France, vous n'êtes pas là. Dommage. Vous ratez quelque chose. C'est dommage. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Je suis un peu plus de temps.
Voilà. Bon, ça à l'envers, mais bon. Je sais pas si vous voyez bien, mais alors voilà. C'est qui? Ben, on n'a pas le choix. C'est nous. Elle va mettre 8 ans là.
depuis longtemps, elle aime le gospel avant même que moi j'aime le gospel. Je me rappelle, elle partait, tout, quand j'étais plus jeune, elle partait dans des concerts. Et en fait, à un moment, je l'ai présentée aux évangélistes de mon église et elle a dit waouh, c'était magnifique. Elle a dit j'en ai vu des concerts de gospel, mais celui-là, c'est le meilleur. Et pourtant, elle a vu des Français, elle a vu des Américains. Et je sais qu'elle n'a pas dit ça parce que je suis sa fille. Je sais que la façon comment elle l'a dit, c'était la vérité. Et je ne vous cache pas que le concert qu'on a fait, j'avais tellement peur en fait d'être charnelle le jour J. Seigneur, je vous dis, j'ai tellement loué, adoré Dieu quand j'étais. Je me suis rendu compte vraiment que j'ai rendu ministère pour de vrai. J'étais dans une joie. Je me demandais si j'allais réussir à sourire. Mon sourire, c'est un truc de ouf. L'énergie que j'avais, elle, à la limite, j'en ai les larmes aux yeux parce que vraiment, le Seigneur m'a confirmé que vraiment, je suis appelée à être chante. C'est ouf. Et quand je chantais, j'étais comme ça. Et j'étais comme ça, pour de vrai. Moi-même, je me disais, mais hey, les gens qui me connaissent vont me dire, mais Tracy, qu'est-ce que t'as fait? Tu souriais trop. Mais moi, je me rendais compte, je souriais trop. C'était merveilleux. C'était... Donc, c'était... Et je me... C'est passé vite déjà. Et je me rendais pas compte, en fait, que ça, c'était ça. Non, vraiment. Et quand on a ouvert le rideau, hey, j'ai l'émotion parce que hey, c'était... L'énergie qu'on s'est tapé, les gens y criaient. Vraiment, on s'est rendu compte que les gens y venaient voir Total Praise. J'ai les larmes aux yeux. Et c'était ouf. Genre, les gens y criaient, mais d'une force. Genre, je me suis dit, waouh. Et c'est pour nous. Gloire à Dieu. Genre, les gens, ils étaient tellement heureux d'être là. Alors, quand j'ai vu ma mère filmer le pasteur Marcel. Alors qu'elle ne me voyait même pas. J'ai dit, waouh. Et le pasteur Marcel, c'est un showman. Et il faisait faire des chorés. Et c'était en français. Et ma mère a dansé. Nous suivons Jésus. J'ai mis ma mère en catégorie or. Elle a juste payé son train. Il n'y avait pas moyen qu'elle rentre. J'ai dépensé 200 euros pour qu'elle rentre. Merci Seigneur, je regrette même pas parce que c'était ouf. Je comprends pourquoi l'ennemi l'a bloqué pour que ma mère ne vienne pas. Non, c'était... j'ai pas les mots, c'était ouf. Quand j'ai vu ma mère danser, j'ai dû tourner ma tête parce que sinon j'allais pleurer sur scène parce que elle était tellement heureuse. Elle est au taf et je suis là, je pleure. Franchement, suivez, comme on dit, votre instinct. Quand le Seigneur vous dit de faire quelque chose, peu importe ce que ça va coûter, faites-le parce que je vous assure que si le Seigneur vous dit fait, c'est qu'il sait très bien. Franchement, j'ai dépensé des thunes de ouf. J'étais là à me dire, wesh, j'ai dépensé tout ça juste pour que ma mère, elle puisse voir un concert de 3 heures. Et je regrette même pas. Et je bénis le Seigneur pour mon pote qui a ramené ma mère. Parce que franchement, s'il ne m'aurait pas aidé, je ne sais pas comment j'aurais fait. Ma mère, elle serait restée bloquée à Paris. Elle aurait eu des problèmes pour son taf et tout. Et franchement, je ne l'ai même pas dit à ma mère. C'est quand elle est arrivée, je lui ai dit oui, je t'ai trouvé quelqu'un d'autre, mais t'inquiète. Après, quand je lui ai dit ouais, je vais payer tout l'aller-retour et tout, ma mère m'a regardé avec un genre ouais, mais t'es mal ou quoi. Après, quand elle a vu qu'elle était en catégorie or, quand elle est sortie, parce que je ne lui ai pas dit, elle m'a dit mais t'es folle, j'ai vu ce que tu m'as pris comme billet, mais ça va pas. Tu m'offres plus de cadeau de Noël, c'est mort et tout. Elle ne se rend pas compte, aujourd'hui je suis en crise, l'argent c'est rien. C'est Dieu qui me donne déjà mon argent, l'argent c'est rien. J'ai qu'un seul objectif sur cette terre, c'est servir Dieu. Et quitte à ce que ça me coûte des milliers d'euros, c'est pas grave. C'était merveilleux. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont venues nous voir. Parce que vraiment, c'était ouf, gloire à Dieu, vraiment. Et je fais jamais une vidéo comme ça, mais en fait, à la base, je comptais pas pleurer, mais en fait, là, je me rends compte de la grâce que j'ai eue. Et tout ça, c'est pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont accepté Christ à la fin du concert, je comprenais même pas pourquoi. C'est-à-dire, si on a vraiment un ministère dans la musique, et là, vraiment, le Seigneur, il m'a encore plus convaincu que ce qu'on faisait, c'était guidé par lui. C'est ouf. Merci, Seigneur. J'ai toujours rêvé de chanter, le Seigneur m'a jamais donné une voix. Ce qui fait que dans le monde, j'ai jamais chanté. Aujourd'hui, je lui dis merci parce que
J'ai fait un casting, franchement j'ai raté mon casting, il m'a permis quand même d'être dedans. Là je fais l'Olympia, j'ai chanté pour sa gloire. Ça a marché, les gens étaient touchés, j'ai chanté avec des artistes de ouf. Un public de ouf, pour un dieu de ouf. Ouais, je suis personne, il y a un mois et demi, j'avais même pas les techniques de chant. Aujourd'hui j'apprends encore. Seigneur, il a permis tout ça. Et si c'est pas Dieu, c'est qui? Si c'est pas mon Dieu, c'est qui concrètement? Franchement, merci Seigneur. C'est un truc de ouf. Je me rends compte vraiment de la grâce que j'ai. C'est ouf. Franchement, je suis tellement heureuse de ce qui s'est passé. Tellement heureuse de tout ce que j'ai vu, de ce que j'ai chanté. Même si ça s'est pas totalement passé comme on voulait, c'était magnifique. Je remercie ma team Total Praise. Je remercie les serviteurs du CRC, l'évangéliste Isabelle, les pasteurs. On a trop de grâce de pouvoir vivre ça. Je pense qu'il n'y a aucune église qui a déjà fait l'Olympia. Ça doit être plutôt des faux groupes de chorale. Et nous, on a cette grâce. Nos pasteurs, chaque année, ils prennent le risque. Et hier, on était à guichet fermé. Genre, le jour J, tu ne pouvais plus acheter de billets. C'est pas Dieu, c'est qui? 3 jours avant, on pouvait encore acheter des billets. 2 jours avant, il n'y avait plus de billets à 38 euros. Mais qu'à 48, et le jour J, tout était fermé. La billetterie, elle était fermée. Si c'est pas Dieu, c'est qui? L'Olympia, c'est presque 2000 personnes. De toute façon, on a déjà rempli un zénith en 2011, je crois. Donc, vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Accrochez-vous à vos rêves et écoutez seulement la voix de Dieu. N'écoutez pas ce que Satan peut vous dire, ce que les gens peuvent vous dire. Et faites seulement selon la parole de Dieu et comptez que sur Dieu. Parce que si je comptais sur les gens, franchement, j'aurais pas fait ce concert. Parce que je vous cache pas, ça fait du mal de voir qu'il y a des gens qui sont vos amis, qui ne dépensent pas 27 euros, 38 euros pour venir vous voir, qui vous adressent des messages. Mais quand c'est le jour J, il n'y a personne. Quand j'ai cherché quelqu'un pour ma mère, je sais que beaucoup ont des voitures. Personne ne s'est dit, je vais aider Tracy. Et j'ai dit, de toute façon, je compte sur Dieu, le Seigneur va m'envoyer un ange. Et mon ange, il n'était pas chrétien, sachez-le. Le chrétien, c'est pas seulement être là pour évangéliser, c'est pas seulement être là pour témoigner, c'est pas seulement être là pour prêcher, mais c'est aussi être là quand les gens, ils ont besoin de vous. Que Dieu puisse vous parler à ce sujet-là, parce que sachez qu'il y a certaines personnes, ça peut leur... Il y a un peu ma voix d'émotion, mais j'ai aussi la voix cassée. Bref, je dois aller au travail, je raconterai un peu comment ça s'est passé. Les combats, c'était ouf. Mais voilà, gloire à Dieu, je suis très heureuse, même si là ça se voit pas, à cause de mes yeux rouges. Seigneur, j'ai pleuré sur Snapchat. Mais j'avais vraiment besoin de vous dire tout ça. Gloire à Dieu, vraiment, gloire, 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 se rendu à Dieu. Il est tellement bon, soyez bénis. J'ai demandé à ma mère, est-ce que tu as eu des frissons pendant le concert? Elle m'a dit oui. J'ai dit quand Sissy Wainens a chanté? Elle m'a dit non, plein de fois. J'ai dit maman, c'était quoi comme frisson? Elle a dit, c'était, j'avais chaud et froid en même temps. Je vous explique quand t'as chaud et froid en même temps. Ceux qui connaissent le Saint-Esprit, il y en a plein qui ressentent la même chose en fait. Bon, pas tout le monde, chacun perçoit le Saint-Esprit de cette façon, de sa façon. Mais moi, en tout cas, quand j'ai chaud, mais qu'en même temps j'ai des frissons glacés, je sais que c'est la présence de Dieu. Ma mère a ressenti la présence de Dieu et je lui ai fait remarquer que c'était la présence de Dieu. Ma mère a ressenti la présence de Dieu. Elle est venue dans mon église, elle n'a pas eu ça. Elle est venue à mon baptême, elle n'a pas eu ça. Et ma mère, elle me voyait même pas, limite, pendant le concert. Elle m'apercevait de temps en temps, mais elle me voyait même pas. Donc, on peut même pas dire, non, c'est le fait d'avoir vu ma fille. Non, du tout. Ma mère, elle ressentit la présence de Dieu. Si mon Dieu, mon Dieu, il est super. Oh, Jésus, merci.